Voilà, j'ai regardé, j'en ai pris un de plus. J'ai cherché la dernière. Ouais, cool. Comme ça. Attends, je sais pas s'il a pas baissé en occasion. Il a commande, mais en occasion. C'est Fox, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spécialement consacrée à Micromania. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis ce matin, depuis hier même, il y a du mouvement du côté de Micromania. Il y a eu beaucoup de jeux dont les prix ont été modifiés à la baisse forcément. Et c'est un véritable petit séisme car nous ne sommes pas du tout en période de solde. Mais il faut croire que Micromania a décidé de secouer le cocotier et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de jeux en promotion. Vous aviez par exemple des jeux sur Switch, je pense à Bendy and the Ink Machine, vous aviez Wonder Boy 3, vous aviez Disgaea 1 Complete Edition, enfin bon, pas mal de jeux, j'en oublie. Alors j'ai pas pris tout ça, moi j'ai pris certains jeux que j'ai qui me sont tombés sous les yeux et je trouvais ça plutôt intéressant. Je vais vous montrer ça sans tarder et ensuite je vous montrerai des jeux PS Vita car j'en ai profité pour me prendre des jeux Vita qui sont centralisés dans un Micromania précis de ma région. C'est le seul qui reçoit encore de la part des autres Micromania des jeux Vita. Donc j'ai fait le plein car j'essaye de rassembler le maximum de jeux sur PS Vita. Donc je commence par les jeux soldés chez Micromania, enfin soldés. Des bonnes affaires, pour reprendre leur terme générique. On avait le Dragon Quest Heroes 2 à 4,99€, c'est quand même, c'est cadeau quoi. Je connais pas du tout les Dragon Quest, on va pas se mentir, j'ai jamais joué. Alors une série que j'ai commencé sur PS3, que j'ai jamais continué, faut que je fasse second épisode, c'est The Walking Dead. Donc un jeu tel, bien sûr, ce jeu à choix. Il m'avait bien emballé hein, le premier sur PS3 à l'époque, il y a quelques années maintenant. Bon, il était en anglais à l'époque, je crois que j'avais fait en démat. Ouais, c'est ça, en démat. Il n'était pas traduit, donc j'avais un peu de mal à suivre. J'ai pas fait le deuxième, mais je le possède sur PS3. Bon, là, je crois que c'est la saison finale, avec toujours Miss Clémentine. Pas mal, hein. Bon, moi, après, je suis pas un grand fan des jeux avec des zombies et tout ça. Ça m'est un peu passé. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une série de qualité, un jeu narratif avec pas mal de choix à faire, des choix à conséquences. Donc, c'est pas mal pour 4,99€. Franchement, c'est cadeau. Un jeu que je ne connais pas, j'ai pris par curiosité pour tester, c'est le Mud Runner. Je pense que l'on doit diriger des engins, puissants véhicules
tout terrain, donc ça a l'air assez drôle. Et beaucoup de jeux maintenant à base de conduite, de véhicules imposants, des bus, des camions, c'est sympa. Donc Mud Runner, à voir, j'ai jamais essayé un tel jeu. Bon, 4,99€ c'est pareil, hein. C'est pas cher. Saber Interactive, ça doit être éditeur je pense, c'est pas cher du tout. Bon, un jeu plus classique, plus commun quand même, c'est le World of Final Fantasy, 5 balles, donc du RPG au tour par tour. C'est pas un mauvais épisode hein, de Final Fantasy, même si c'est plutôt un spin-off, bien sûr. J'avais vu Lynn y jouer, et il faut adhérer au style, les personnages ont une drôle de trogne, mais pourquoi pas, pourquoi ne pas l'essayer. Je l'ai pris aussi sur une autre console, sur la Vita tout simplement, vous verrez ça tout à l'heure. Le Matterfall, voilà, Matterfall 1,99€. Bon, ce jeu-là, je l'avais vu via les streams des potes, donc je connais un peu, je m'en souviens légèrement. Et pour finir, le Scribble Notes Showdown, 0,99€. C'est vraiment pas cher du tout. Je sais plus ce que c'est comme style de jeu, ça. Bon, ça a l'air peut-être des mini-jeux, ou... J'en sais rien, je veux pas dire de bêtises. Je ne connais pas, enfin, j'avais déjà, je crois, chopé sur 3DS, me semble-t-il. Bon, voilà pour ces 6 jeux, ça fait pas cher du tout. Et maintenant, on va passer aux jeux Vita. Toute cette pile à vous montrer, alors j'ai fait vraiment le plein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Ne vous fiez pas au prix sur les boîtes. C'est pas vraiment le prix, en fait, c'était de acheter un offert. Donc je n'ai pas payé tout ça, naturellement. Donc là, on a le Tukiden The Age of Demons. J'avais Tukiden Kiwami et Tukiden 2, mais pas le premier, enfin... Voilà, Tukiden Kiwami, je crois que c'est le même, mais avec certains ajouts. Ensuite, on a un jeu de moto, c'est le MXGP, que je ne l'avais pas dans la collecte. Tous ces jeux-là, je ne les avais pas, hein. Donc ils complètent la collecte Vita. Ce Ratchet Clank Trilogy, donc ça, excellent, il n'est pas si commun ce jeu. Donc il y a pas mal de jeux PS2 qui ont été portés sur la Vita, naturellement, donc c'est bien. On a ensuite un classique FPS, le Borderlands 2. Je ne sais pas ce que ça donne, je connais un petit peu la série Borderlands parce que j'avais joué le Telltale justement en Borderlands, mais bon, c'est un univers assez intéressant. Ensuite on a Injustice, donc un jeu de combat, hein, de versus, sur, mais voilà, toujours sur Vita bien sûr. Donc ça c'est une édition qui m'a l'air bien complète, on verra bien ce que ça donne. Toujours des jeux de combat, le BlazBlue Chrono Fantasma Extend que j'avais sur PS3, donc là que je retrouve sur la Vita, c'est un jeu P-Cube. Bon, une série, une licence que je ne connais pas du tout parce que c'est pas ma génération, c'est One Piece. Donc là, il s'agit de One Piece Unlimited World Red. Je crois qu'il y a plusieurs jeux One Piece sur la Vita, donc celui-ci, ben, il est déjà acquis, ça c'est bien. Ce jeu-ci, c'est Mod Nation Racers Road Trip. Alors je sais pas ce que c'est un petit jeu de course apparemment, j'en dirai pas plus, faut que je teste tout ça. On a ce Beauty Squad, alors ça a l'air sympa, est-ce que c'est un jeu de plateforme, à voir, donc ça m'a l'air bien sympathique, je crois que ça existe sur d'autres supports, donc c'est cool, ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus, mais je ne le voyais plus, parce que comme je vous l'ai dit, c'est seulement dans ce Micromania que sont centralisés les jeux Vita de chez Micromania justement. Ensuite, et c'est pas tout près de chez moi, les jeux Lego. J'ai complété ma collection Lego Vita avec le Ninjago L'Ombre de Ronin. Donc il y en a un autre de Ninjago. Et donc là, l'Ombre de Ronin, je ne l'avais pas. C'est cool. Le Batman 3 au-delà de Gotham. Le Lego Movie Video Game qui existe aussi. Tout ça, ça existe sur 3DS et sur DS, hein, voire aussi sur PS3, PS4. Vous savez, les Lego, c'est vraiment sur beaucoup multi-plateformes, protéiformes. Le dernier jeu Lego, c'est Avengers, Marvel Avengers. Bien sympa, enfin on verra. En tout cas, voilà, je sais presque tous. Il me manque juste Harry Potter et je crois plausiblement un autre. Mais sinon, j'ai tous les Lego sur la PS Vita. Il y en a quand même 13. Ensuite, j'ai l'édition Day One de World of Final Fantasy, donc je vous l'ai montré tout à l'heure sur la PS4, marqué qu'il est plus cher sur Vita que sur la PS4, donc ça c'est cool, je crois qu'il y a un petit livret à l'intérieur, ça se présente comme ça, bon, rien de spécial à dire, hein, en plus par rapport à tout à l'heure. Lumines Electronic Symphony, c'est un petit jeu musical peut-être à découvrir, il n'était pas cher celui-ci, petit jeu de daube. Reality Fighters, plausible encore que ce soit une daube.
à voir, ça a l'air tout bizarre ce jeu, je sais pas trop ce que ça induit, peut-être l'utilisation des fonctionnalités Vita, c'est bien possible. Aegis of Earth, un jeu de gestion apparemment, donc c'est signé P-Cube aussi, gestion, construction de ville, enfin je sais pas, stratégie certainement, à voir, ça fait penser un peu à une jaquette de RPG aussi, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve la jaquette plutôt sympa, sortie aussi sur PS4, peut-être bien sur PS3 aussi, je ne sais plus, mais PS4 c'est sûr. Et pour terminer, l'emblématique Senran Kagura, et ouais, je l'ai enfin, je le rentre enfin dans la collection, le jeu de la perversité par excellence. Regardez-moi cette jaquette assez provocante, malgré l'étiquette Micromania qui cache un peu. Donc Senran Kagura, uniquement sur PlayStation, on a une autre langue aussi ici, je suis content de le rentrer, donc ça fait tous ces jeux sur PS Vita, ça m'est revenu un peu cher, mais pas tant que ça, de toute façon il fallait que je les rentre et je suis content de l'avoir fait. Regardez aussi ces jeux PS4 qui sont vraiment pas chers, c'est cool tout ça, donc c'est sympa de la part de Micromania, en plus voilà, il y a quand même... Il y a la possibilité aussi d'avoir les fameuses réductions, enfin vous savez les 10 euros plus 10 euros, donc parfois quand on achète pas mal de trucs, ben on a de la réduction parce que ça active le truc promotionnel sur la carte et on se retrouve avec 10 voire 20 euros de moins, donc c'est bien sympa, c'est cool. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ma chaîne, c'était Fox, merci, ciao.